France TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que nous continuons d'offrir des espaces publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, musicien, commerçant, ONG, entreprise, vendeur, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter via nos adresses, nos contacts professionnels. On discute en privé et on vous offre des publicités haut de gamme sur YouTube. N'hésitez pas à profiter de notre très large audience pour vous faire connaître, pour vous faire valoir et trop de choses. On continue. France TV. On poursuit ce journal maintenant avec Sidiki Diabaté, le prince de la kora malienne qui ne finit pas de faire grimper sa cote, son image en Côte d'Ivoire. On se rappelle de tout ce qu'il a fait après la mort d'Arafat. On se rappelle de ses collaborations avec Arafat. Après quoi, il s'est accroché à Safari, ils ont fait un featuring. Franchement, il a blanchi son image en Côte d'Ivoire. Et tout récemment, il s'est accroché au vieux père Alpha Blondie, projet musical Alpha Blondie et Sidiki Diabaté, Côte d'Ivoire, Mali. Je vous laisse écouter un petit aperçu et on revient. Je suis avec mon père. Mon père, je suis avec mon père. Mon père, je suis avec le tonton national, international, interplanétaire, Alpha Blondie. Quelle chance! Adam le Sidiki Diabaté et Diabaté Ba Musique avec le papa et hey, les gars, reste à l'écoute. Ce qui arrive, et mon gars, tu vas kiffer ta race. Ça décoiffe, ça déménage et ça déchire. Voilà. Franchement, Sidiki Diabaté gagne un grade dans le cœur des Ivoiriens, gagne un grade dans le cœur des artistes ivoiriens, gagne un grade dans la musique, dans la culture ivoirienne. Son nom est gravé. Franchement, trop de choses. Pour ma part, on attend la collaboration. Comme le vieux père Alpha Blondie l'a dit, il y a du lourd qui arrive. Et on attend de voir le produit fini de ce que ça peut donner entre Sidiki Diabaté et Alpha Blondie, le roi du reggae ivoirien et le prince de la kora malienne. Il sent qu'il y a trop de choses dans l'air qui nous attendent. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Lago Bobaraba, Lago Mutuale, Lago qui a tout devant, Lago qui a tout derrière. La légende raconte qu'on peut monter sur ses fesses pour cueillir des mangues et Doxy Yao et d'autres de choses. Alors, de nombreuses années, elle était attachée par les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu son salon de beauté, mais elle dit elle est esthéticienne, où elle enlève l'argent là-même. Est-ce que Doxy Yao, j'ai pas busy? Toi, tu es esthéticienne, tu es toujours à Dubaï, hein, en Chine, aux États-Unis, dans les où l'argent la sort? Est-ce que c'est pas busy, vraiment? Vous connaissez bouche d'Ivoirien, attachée la gauche. Et finalement, elle a décidé d'ouvrir son salon de coiffure, d'esthétique, de beauté. Elle a confié tout récemment. Alors, on espère que cette fois-ci, ça vous devrait et qu'on verra de nos yeux pour fermer bouche déjà. Et donc, Siao a confié que début 2020, elle ouvre son salon de beauté. Du côté d'Abidjan à Cocody, plus précisément à la 7e tranche. Franchement, on attend de voir ce projet-là pour fermer bouche déjà. Voilà, on continue. On poursuit ce journal maintenant avec Niska qui tout récemment a lâché en conférence de presse une petite bombe flatteuse à l'endroit d'un groupe de rap ivoirien. Comme vous le savez tous, Niska était présent à Abidjan pour un concert qu'il a finalement majestueusement donné. Et juste avant le concert, il répondait à certaines questions pour attirer du monde. Il a confié que dans l'environnement musical, culturel, rap ivoirien, il était sous le charme du groupe Kifno Beats. Et au fond de lui, il désirait faire un featuring avec eux.
De quoi faire plaisir aux 5 loups du rap ivoire, à la musique ivoirienne tout entière, que voilà, certains artistes de renom quittent leur pays et sont attirés par nos produits locaux. Franchement, ça fait plaisir. Pour ma part, j'attends une collaboration Niska et Kiff No Beats. Imaginez un peu ce que ça peut donner. Voilà, on a eu des collaborations Kiff No Beats Dadju, Kiff No Beats Caris. Bon, on attend de voir la version Niska, parce que Niska, il est beaucoup fou. On se rappelle encore de son featuring avec Arafat, ce que ça donnait. Imaginez un peu Niska et les Kiff No Beats. Trop de choses qui se passent dans mon corps quand je parle de ça. On continue. Stevie. On poursuit maintenant avec la plus belle voix féminine de la musique contemporaine ivoirienne, José Prissy. José qui est tellement exposée aux critiques, aux nkunku, aux faux buzz, qu'elle a fini par sortir tout récemment sa chanson Mon Nom. Tellement la go est fatiguée. Et il y a peu de temps, elle faisait l'objet encore de critiques, comme quoi certains l'accusaient de s'être blanchi la peau. Genre, elle a fait le choco, le tchatcholi, le ndjassa chez les Camerounais, trop de choses. Finalement, la star était exacerbée et elle a fini par répondre sur les réseaux sociaux, je crois c'est Snapchat, les éternels complexés là avec un lol. Je ne vais quand même pas perdre mon temps à vous justifier mon teint. Aïe, avait-elle écrit, vos gros yeux sales sales n'ont pas vu le teint de ma mère assez midi ou bien vous faites exprès. En gros, José informait ses détracteurs sur un ton amer qu'elle ne s'est jamais dépigmentée et que le teint clair est dans la famille, c'est dans le sang, ça mêle même là. Voilà, elle tend vers le métissage et puis trop de choses. Les gens, hey, José, Yako, on continue. Stevie. N'oubliez pas que désormais, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne Prince TV en nous envoyant soit de l'argent sur notre compte ou en cliquant sur l'onglet « Rejoindre ». Juste à côté du bouton « S'abonner » pour nous verser un certain montant en fonction de vos possibilités. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a obtenue de YouTube qui vous permet de nous soutenir financièrement. Franchement, n'hésitez pas. Merci énormément. Stevie. On poursuit maintenant avec Billy Didier, le créateur du Zouglou, patrimoine culturel ivoirien, qui visiblement essaie d'apporter un nouveau souffle au mouvement. Alors, on connaît les Zougloumen, hein, eux, pour donner conseil, pour chanter les mélodies, ils sont prêts. Mais dans cela, ils sont pas trop calés. C'est pourquoi le poupé des calés bouche le trou. Mais visiblement, Billy Didier a décidé d'apporter un nouveau pas de danse que je vous laisse voir et on revient. Ça s'appelle le tomber ramassé. Voilà le tombé ramassé que nous propose Billy Didier, créateur du Zouglou. On attend de voir comment ça danse. Son nouveau projet va se comporter sur le marché ivoirien, sur l'échiquier musical, pourquoi pas l'international aussi, parce que voilà, les Zougloumen, on dit, ils chantent bien, mais il faut nous faire danser aussi. Je crois, il y a le Kpako, il y a le Nyakpa, Nyakpa, il n'y a pas trop de danse en Zouglou, il faut nous faire bouger aussi, hein. On attend de voir ce que ça va donner, et trop de choses, on continue. Stevie. On termine ce journal maintenant avec un attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire en la personne de Wilfried Bonny. Alors, présentement, c'est pas ce qui se passe dans sa carrière, ce qui se passe dans sa vie, mais c'est chaud. Voilà. Le footballeur a évolué certes du côté de Manchester City, de Swansea, de Stoke City, par le passé dans les grands clubs du championnat anglais, mais présentement, il n'a pas de club depuis plusieurs mois maintenant. Et tout récemment, il a eu à faire un test au Havre et voilà. Il a été accepté quand même, c'est Wilfried Bonny, trop de clubs dans son corps. Mais visiblement, les termes du contrat ne lui ont pas plu. Il a décidé d'aller voir ailleurs, de chercher des opportunités ailleurs. C'est pas encore acté. Je viens d'apprendre que le Havre vient de lui faire une nouvelle offre, une nouvelle proposition, un nouveau contrat. On attend de voir s'il signera, s'il acceptera. Bon, c'est bizarre. Tu as joué en Angleterre dans les grands clubs. Tu as été retrouvé en 2-2 française. C'est bizarre. Trop de choses dans ce mouvement. On lui souhaite bonne chance et trop de choses positives pour la suite de sa carrière. D'ici là, c'est terminé pour ce journal. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles diffusions. Au revoir. Stevie.